Jésus, je ne suis rien. Le pouvoir, la force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, je
Bonsoir, frères et sœurs, inclinez-nous, car tu es notre Père, tu es Dieu, tu as créé le ciel et la terre, nous t'exaltons, nous t'adorons pour ce que tu as fait, que tu es. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans ta maison ce soir pour apprendre de toi. Et c'est au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, que nous venons devant toi réclamer ton pardon. Nous te demandons Seigneur que tu pardonnes toutes nos iniquités. Délivre-nous de tout mal, de tout ce que nous faisons qui ne vienne pas de toi. Nous réclamons ta présence en ce soir. Purifie nos cœurs, nos pensées. Nous voulons, Seigneur, apprendre de toi. Et nous te demandons, Seigneur, que ta bénédiction sur chacun. Parle en nos cœurs, que nous soyons prompts à écouter. Et surtout à mettre en pratique les enseignements de ta parole que ton serviteur, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, délivrera en ce soir. Que ton Esprit Saint, Seigneur, touche ses lèvres et que tout ce qu'il dira, que nous vous souhaitons la bienvenue, bienvenue aussi à tous nos visiteurs et nous n'oublions pas non plus ceux qui sont sur le live. Bon sabbat à vous tous. Pour moi, plus un simple objet, par elle je suis. Esclave de mes chaînes et le sang versé efface mes péchés. Mon sauveur est mort sur la croix, l'agneau fut crucifié, divers son amour. Jamais connu, quel amour divin, le véritable amour pour me donner la vie, l'amour c'est sacrifié. Oui, la croix signifiera toujours la
venu mourir pour moi. Oui, pour moi. Oui, pour moi. Jésus est venu mourir pour moi. Oui, pour toi. Oui, pour toi. Jésus est venu mourir pour toi. Jésus est venu mourir pour toi, oui pour toi. Jésus est venu mourir pour toi. Frères et sœurs et amis, bonsoir. Ce soir, c'est le moment de prière. Nous allons prier ensemble. Et je vous invite à consulter un texte avec moi avant de prier. Nous irons dans Marc 11. Au verset 22 à 24. Jésus dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est Jésus qui le dit. Nous allons prier à vous associer avec moi dans la prière. Éternel, notre Dieu, nous voici à genoux devant toi. Père, je te rends gloire car tu es un Dieu puissant, redoutable, terrible. Père, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Et tu nous dis, si nous demandons sans douter, cela arrivera. Père, tu fais appel à notre foi et à notre obéissance. Ô Éternel, nous voulons déposer entre tes mains chacun d'entre nous. Père, tu connais nos besoins à chacun. Chacun d'entre nous a besoin de toi car tu nous as créés et nous sommes l'œuvre de tes mains. Et tu dis dans ta parole, vous ne pouvez rien faire. Père, nous croyons qu'avec toi, nous aurons tout et nous avons tout en toi. Tu as remporté la victoire pour nous et nous avons le choix entre nos mains. Père, nous déposons tout un chacun entre tes mains. Père, tu connais notre souci financier, matériel, spirituel, physique ou autre. Mais nous te demandons au nom de Jésus d'agir pour chacun d'entre nous. Père, nous te demandons de renvoyer tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Père, l'ennemi est là et veut toujours mettre la zizanie. Mais nous te demandons de rendre toute domination, toute puissance, toute élévation, toute chose, Père, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta paix soit ici et sur chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, chacun d'entre nous est devant toi. Tu sais où est-ce qu'on est avec toi. Tu sais être distrait par l'ennemi. Mais, oh Dieu, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux comme tu as ouvert les yeux de Muller, afin que nous puissions voir et comprendre que tu reviens bientôt. Bénis, Seigneur, tout chacun d'entre nous.
Nous t'aimons le prédicateur à la personne de midi. Ô Éternel, que ton onction soit sur lui, car la parole qui dit est esprit et vie. Donc tu dois l'accompagner afin, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix. Ô Éternel, nous te prions d'être avec chacun d'entre nous. Mets ta paix sur le quartier et que ton nom soit glorifié. Accompagne-nous et bénis-nous. Ce sont ces grâces que nous te demandons, non par nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus. Et nous te demandons, nous ne voulions pas oublier nos frères malades. Seigneur, tu connais leurs souffrances, chacun. Père, il y a ceux qui ont mis une prière dans la boîte à prière. Il y a ceux qui sont sur le live, qui ont besoin de toi. Et nous savons qu'il y a de nos frères qui sont ici, qui sont malades. Nous te demandons d'étendre ton bras, car c'est ce que tu dis. N'est-ce pas moi l'Éternel qui vous guérit? Nous savons, Seigneur, que tu guéris. Nous te demandons de guérir tous ceux qui ont besoin de guérison, mentale, physique, spirituelle. Ô Éternel, prends-nous entre tes mains et que ta paix demeure dans nos cœurs. Au nom pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter le chant thème. Oh, donnez-moi Jésus. Bonsoir à tous. Bon sabbat, bon repos dans le Seigneur. Alors, comme de coutume, je suis heureux de vous voir. J'aimerais savoir comment allez-vous vraiment? Bien. Ça va. D'accord. Moi, je suis fatigué. Fatigué. Pourquoi? Parce que mon corps est habitué au repos. Dès que le vendredi arrive, mon corps se met en mode de veille. Là, c'est le moment d'aller se reposer avec le Seigneur, le moment d'arrêter toute activité. Mais repos physiquement, mais mon esprit est en éveil. J'ai hâte d'entendre Dieu me parler d'une manière spéciale. Alors, je suis content d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc bienvenue à vous. C'est pour la première fois aussi. Je rappelle que devant nous, il y a une boîte à prière. Donc, les mercredis et les vendredis, avec les anciens de l'Église, nous prenons un temps d'intercession où nous prions pour les sujets que vous avez à cœur, que vous prenez et que vous mettez dans la boîte. Ces sujets sont gardés sous scellés. Personne ne les regarde, seulement Dieu et vous. Ils sont réunis ensemble pour qu'on puisse prier plus facilement pour les sujets que vous avez. Puis quand la boîte sera remplie,
nous allons brûler les sujets de manière symbolique. Donc, elle restera, donc, vos sujets resteront dans la boîte même après cette campagne d'évangélisation. Donc, nous allons continuer à prier. Puis, il y a à ma gauche une boîte à questions pour ceux qui s'interrogeraient sur certaines choses pratiques ou d'autres choses peut-être mystérieuses par rapport à la parole. Donc, ce soir, nous avons aussi une question, mais on va y l'aborder dans un moment. Avant, j'aimerais savoir qui sont ceux qui viennent pour la première fois. Pour quelle raison? Parce que nous avons des livres que nous aimons distribuer, nous aimons donner. Dans ces livres, il y a aussi une Bible. Si vous voulez spécialement, on pourra vous la donner aussi. Donc, je vais demander à d'accord, tu vas distribuer? D'accord. Donc, vous avez le choix. Hein. Il y a des petits livres, d'accord, pour ceux qui n'aiment pas les gros livres. Il y a des gros livres pour ceux qui n'aiment pas les petits livres. Mais dans tous les cas, ce sont des livres qui sont inspirés, qui prennent base de la parole de Dieu. D'accord? Donc, en lisant ces livres-là, bien sûr, et votre Bible à côté, ce qui est écrit dans cela est inspiré de la parole de Dieu. Alors, donc, levez la main, n'hésitez pas, ceux qui viennent pour la première fois. Voilà, super. Donc, on va vous distribuer certains livres, donc vous allez choisir. Donc, vous allez tous de même endroit pour qu'ils puissent choisir soit le gros livre, soit un petit livre. Donc, gardez la main levée. Voilà. Gardez la main levée. Alors, gardez la main levée pour qu'ils puissent venir vers vous. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de mains levées, donc ils sont un peu perdus. Donc, voilà, soyons patients. Alors, en patientant, je vais rappeler ce qu'on a déjà vu ensemble, en parlant d'hier et d'avant-hier. Pas d'hier, hein, nous n'étions pas là, mais vous avez compris, les jours précédents, nous avons parlé de choses importantes. Nous nous sommes rappelés de la bienheureuse espérance. Nous avons vu que la Bible nous révèle que notre monde prendra fin. Notre monde a une date limite. Et cette date limite, c'est Dieu qui va la déterminer lorsqu'il reviendra. Parce que Dieu, quand il a créé notre monde, quand il nous a créés, c'était pour pouvoir être dans l'amour, être dans le bonheur, être dans la vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On survit, on galère, on souffre, et Dieu ne prend pas plaisir à cela. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que si Dieu est en souffrance, pourquoi il ne se révèle pas tout de suite et qu'il ne met pas un terme à tout cela? Chers amis, notre Dieu est réellement amour, merci beaucoup, et il nous l'a montré parce que la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour l'humanité. Il nous a tellement aimés, nous qui sommes nés sans lui, nous qui sommes nés dans le péché, il n'a pas dit, bon, ils sont loin de moi, ils aiment faire le mal, on va les anéantir. Il a dit, non, je vais donner ma vie. Je vais offrir ma vie, quiconque croit en son Fils unique ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous a dit, oui, ce monde que tu connais aujourd'hui prendra fin. Jésus reviendra pour récompenser tous ceux qui ont vécu selon lui, qui ont cru en lui, et ceux qui n'auront pas cru aussi en lui. En gros, qu'on le veuille ou non, le monde a sa fin. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que je veux être de ceux qui seront avec Jésus ou de ceux qui ne seront pas avec Jésus? Jésus étant la vie, si je choisis Jésus-Christ, j'aurai la vie. Si je ne le choisis pas, je n'aurai pas la vie, donc j'aurai malheureusement la mort. Vous avez dit comme ça, ça a l'air cru, ça a l'air méchant, ça prendra fin. Et il nous faut impérativement savoir de quel côté nous nous mettons. Maintenant, on se dit, mais je ne connais pas Jésus, moi. On me parle de ça, mais je ne connais pas Jésus. Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche. Jésus se révèle lorsqu'on prend ce livre-là, cette compilation de livres inspirés qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Lorsqu'on vient et qu'on l'ouvre par la foi, en disant, Seigneur mon Dieu, je te cherche, j'espère en toi, montre-toi, aide-moi à comprendre. Alors Dieu nous conduit dans sa parole. Dieu enverra quelqu'un. Dieu vous donnera l'intelligence de comprendre ce qui est écrit. Et vous allez rencontrer Christ, la vérité.
Je suis convaincu que nous tous, nous avons déjà entendu parler de Jésus une fois dans notre vie. Maintenant, c'est est-ce que nous le connaissons? C'est est-ce que nous avons étudié la parole de Dieu? Ou alors, on a dit, bon, maman m'a dit ça, papa m'a dit ça, un tel a dit ça, c'est bon. Je connais déjà. Ou alors, je vais chercher en profondeur et j'appelle le ciel par la prière. Avant d'entrer dans la vie de Jésus ce soir, j'aimerais qu'on parle d'une question que j'ai reçue, c'est à savoir, qu'est-ce que le parler en langue? Voilà, qu'est-ce que le parler en langue? Pourquoi cette question? Parce que dans le christianisme que nous connaissons aujourd'hui, il y a des courants où on parle en langue d'une manière spéciale. C'est-à-dire d'abord, on va ouvrir la Bible et on va voir quelque chose d'important. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 10. Je rappelle à l'entrée, on vous communique des Bibles, donc les Bibles petites comme la mienne, et je vous donnerai le numéro de page pour aller plus vite. Alors, 1161, 1 Corinthiens 12, verset 10. Voilà ce qui est écrit. Donc, on nous parle en fait que les dons sont donnés par le Saint-Esprit, les dons spirituels. Et là, on énumère les dons spirituels. Et au verset 10, on énumère d'autres dons spirituels. Il est dit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation maintenant des langues. Allons plus loin maintenant, redescendons un peu. Dans Actes 2, verset 4, donc Actes 2, verset 4, à la page 1096, alors plutôt 1094, non, 1093, excusez-moi. Actes 2, verset 4, à la page 1093. Donc là, le contexte est lequel? Les disciples ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. En gros, Jésus avait promis que lorsqu'il partirait, d'attendre là, et que l'Esprit Saint qu'il avait promis allait descendre sur les disciples. En gros, une puissance viendra sur vous. Dans Actes 1, verset 8, on voit cela. Une puissance descendra sur vous. Les disciples ont attendu, ils sont restés en prière, et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples, et ils se sont mis à sortir de là où ils étaient et à annoncer l'Évangile. Avec une telle force, une telle conviction, une telle puissance. Et on nous dit, au verset 4 de Actes 2, « Et ils furent tous remplis de cet esprit et se mirent à parler langue selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, on voit que le parler en langue, dans 1 Corinthiens 12, est un don de l'esprit. Et on voit que les disciples, eux, ont vécu aussi se parler en langue parce qu'ils se sont mis à parler en langue. Est-ce que ce sont des langues qu'on a connaît pas, comprend pas. Parce qu'en fait, voilà la question. Il y a des courants chrétiens qui vont en fait parler en langue et ils vont dire que c'est la langue des anges. Ou ils vont dire que c'est une langue en fait qui n'est pas une langue humaine pour parler à Dieu, une langue spirituelle. Ma question c'est, tout ce qu'on dit doit sortir de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a parlé en langue? Les disciples, lorsqu'ils priaient, est-ce qu'ils priaient en langue? On n'a pas vu ça non plus. On a vu par contre qu'ils prêchaient l'Évangile. Ils s'adressaient à d'autres personnes quand ils parlaient. Ils parlaient alors en langue. Maintenant, d'autres vont dire, oui, mais l'apôtre Paul dit dans Acte 13, qu'on va lire ensemble. Hein. Donc Acte 13, alors à la page 1162. Alors, Acte 13, verset 1er, ils prennent ce texte pour dire, oui, mais l'apôtre Paul a parlé la langue des anges, en fait. Alors, il n'a jamais dit cela. Hein. Ce qui est écrit, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, l'apôtre Paul dit que s'il parlait les langues des hommes ou la langue des anges, s'il n'a pas l'amour de Christ en lui, ça ne sert à rien en réalité. Mais il n'a pas dit qu'il parlait une langue des anges. D'autres personnes vont dire que la langue parlée, donc la langue pour eux, parler en langue, ils vont dire qu'ils s'adressent à Dieu et que les anges ne l'entendent, Satan ne comprend pas ce qu'ils disent. Que Satan ne comprend pas ce qu'ils disent à Dieu.
La Bible dit que Satan était un ange. Hein? Alors, ma question, c'est comment un ange peut oublier la langue des anges? C'est pas si vous compreniez. En gros, on peut comprendre littéralement qu'il y a un souci dans cette interprétation. Parce que dans la Bible, encore une fois, on va plus loin. J'ai pris des versets qui en prend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. D'accord. Là, il est parlé du parler en langue, que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Ça ne sert pas à l'Église. Imaginez que je suis là, je parle allemand ou bien je chante un chant spécial en allemand. Je suis à fond. Je comprends ce que je dis. Je parle allemand, je comprends ce que je dis. Je m'édifie. Mais est-ce que vous pourrez dire amen? Est-ce que vous allez dire alléluia, mon frère? C'est la vérité. Vous ne comprenez rien. Celui qui parle en langue, parle pour lui. Parce que quand je parle en langue, je dois m'adresser à un public qui comprend ma langue. Voilà pourquoi il est dit, ça ne sert à rien si personne ne comprend ce que je dis. Maintenant, celui qui parle n'est pas biblique. Maintenant, pourquoi c'est aussi réputé? Parce qu'en réalité, nous sommes des êtres qui aiment beaucoup la puissance. Quand on interprète la parole de Dieu, on en fait une vérité et on se laisse séduire par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Bibliquement, aucun apôtre n'a parlé en langue pour lui-même. Aucun apôtre n'a parlé en langue pour pouvoir parler au Père. Ils se sont tous mis à parler d'autres langues pour l'évangélisation, pour annoncer l'évangile. Non pas pour soi-même, non pas comme étant une validation de niveau spirituel. J'espère avoir répondu à la question. Dans tous les cas, je vous invite encore une fois à lire 1 Corinthiens 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14, prendre le temps et vous verrez que la parole de Dieu ne se contredit pas. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, quand ils parlaient en langue, tous les entendaient dans leur langue natale. Tous comprenaient ce qu'ils disaient. Ça n'a jamais été pour eux-mêmes ou bien pour parler avec Dieu d'une manière particulière. D'accord. Merci d'avoir souffert en écoutant. Maintenant, pourvu que ce qui a été dit, bien, bibliquement, soit suffisant, sinon la parole de Dieu est encore ouverte et Dieu va vous conduire dans toute la vérité comme il a promis. Alors, ce soir, nous parlerons des signes des temps. Il faut avoir la base. Jésus va revenir. Il l'a promis. Il va revenir et il nous a été révélé qu'il va revenir dans les temps de nos rois, dans les temps de l'Europe, dans les temps des Nations Unies, à notre époque. Pour ceux qui n'ont pas vu les messages, ils sont sur le Labous Live, vous pourrez regarder et voir que le dit déjà. Tout ce qui est dit là, tout ce qui est affirmé, c'est bibliquement qu'on en parle. Jésus va revenir. Maintenant, est-ce qu'il y a des signes précis de son retour? Alors, voilà. Alors, lorsque le ciel prend des têtes menaçantes, orangées, ça annonce quoi de manière générale, pour ceux qui sont connaisseurs? Orages, éclairs, d'accord. Pour ceux qui connaissent, d'accord, lorsque le ciel prend cette tête-là couchée du soleil, il n'est pas rare d'entendre dire, surtout à la campagne, « Ah, demain, il y aura de l'orage. Demain, il va pleuvoir. » Alors, tirant une comparaison de ce fait, un jour observé à ses disciples, quelque chose d'important. Il leur a dit dans Matthieu 7, versets 2 à 4, à la page 969 de notre Bible, il a dit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » En gros, Jésus dit, « Si vous savez reconnaître quand il fera beau demain ou pas à cause du temps, vous devez aussi regarder autour de vous, merci beaucoup, d'accord, à laquelle Jésus-Christ reviendra. Parce que Dieu l'a prédit, Dieu nous a donné des signes des temps pour que nous puissions être préparés quand il reviendra. Cependant, alors du moins aujourd'hui, les hommes disposent de méthodes scientifiques pour prévoir le temps, d'accord, la météo, etc. Et même aussi d'autres choses puissantes pour pouvoir gagner du temps. Cependant, nombreux sont ceux qui aujourd'hui
prétendent ne pas avoir le temps de lire la Bible. On n'a jamais le temps. La Bible est là. J'imagine qu'on en a tous tout le temps. On essaie, on veut, mais on n'arrive pas. Il y a un problème. On fait tous nos efforts. Oui, je vais la lire. On met un réveil à 15 heures, moment d'étude de la Bible. Le réveil sonne dans 5 minutes. Et finalement, on oublie d'aller lire la Bible. On se réveille le matin à 6 heures. Bon, lecture de la Bible. On se réveille, on éteint le réveil, on retourne se coucher. En gros, on veut mettre en place des choses pour lire la Bible, on n'arrive pas. Et qu'est-ce qu'on se dit? Ah, je n'ai pas le temps. Mais j'ai le temps de regarder Netflix. J'ai le temps d'aller au sport. J'ai le temps de regarder la télévision. J'ai le temps de faire plein de choses, mais pas le temps de regarder ce que Dieu me dit pour l'avenir de ma vie et du monde. Il y a un combat qui est mené. Et cette lutte n'est pas naturelle. Parce qu'on ne peut pas lutter comme ça pour une chose qui est bonne. On ne peut pas se battre pour pouvoir nous faire du bien. Il y a un problème. Quelqu'un ou quelque chose ou une puissance veut nous empêcher de lire ce qui est écrit dans le Saint-Livre de Dieu. Et il nous faut reconnaître qu'il y a un combat qui est mené. Et je l'ai dit les derniers soirs, ici, c'est un effort d'évangélisation. Ce n'est pas naturel d'être assis dans la maison de Dieu comme cela. On doit faire l'effort de venir. Parce que j'aurais pu être chez moi, assis tranquillement, hein, couché. Je suis fatigué, j'ai dit. Hein. J'aurais pu être couché dans mon lit, hein, tranquillement. Hein. Mais je fais l'effort de venir parce que je sais que Dieu veut que je sois là et qu'il veut me bénir. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu veut que tu entendes ce qu'il a à te dire. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu veut que tu comprennes qui est Jésus et qui tu es à ses yeux. Alors, merci d'avoir fait l'effort. Maintenant, écoute attentivement ce que Dieu veut te dire. La différence des hommes de notre époque concerne aussi un signe de la proximité du retour de Jésus. On va lire un verset ensemble dans Matthieu 24, versets 37 à 39, à la page 982. Donc, si c'est trop petit pour vous, vous pouvez prendre votre Bible directement à la page 982, Matthieu 24, versets 37 à 39. Matthieu 24, versets 37 à 39. Il est révélé que ce qui arrive aujourd'hui à notre époque est arrivé aussi dans l'histoire. Il est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les jours qui annoncent que Jésus-Christ va revenir, avant ces jours-là, des choses arriveront. Des comportements seront particuliers. Il est dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En gros, pour bien comprendre l'histoire, Noé est un homme antédiluvienne, donc avant, ça fait longtemps, d'accord? Et Noé a reçu un message de Dieu. Dieu lui dit, Noé, je vais juger la terre. Je vais anéantir le monde que tu connais aujourd'hui. Je vais juger les hommes qui y sont aujourd'hui. Je le ferai par l'eau. Je vais faire tomber un déluge sur la terre. Qui n'auront pas cru à ce message, cru en moi, ils seront anéantis. Parce qu'à cette époque de Noé, les hommes étaient méchants. Les hommes étaient égoïstes. Les hommes ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils blasphémaient. Ils se moquaient de Dieu. Ils tuaient sans vergogne. Ils se plaisaient dans le mal. Et comme je l'ai dit au départ, hein, Dieu n'aime pas ça. Dieu, du haut de son trône, son cœur est brisé lorsqu'il voit la méchanceté de l'homme sur la terre. Et il doit mettre un terme à cela. Alors, à cette époque, Dieu a dit, c'est fini. Je vais anéantir l'homme, mais construire une arche, un grand bateau. Et Dieu a dit à Noé, pendant que tu construis l'arche, prêche. Dis-leur que je vais juger le monde. Dis-leur que le jour arrive où je vais tout anéantir et tout refaire. Dis-leur, annonce-le. Alors Noé, pendant 120 ans, comprenez-vous ? C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans. 120 années, il construit l'arche et il prêche à ceux qui l'écoutent. Il prêche. Et voilà ce qui se passe pendant qu'il prêche. Les hommes mangent. Ils sont en train de boire.
ils s'amusent, ils font leur vie comme si de rien. Puis, la pluie a commencé à tomber. Ils ont commencé à paniquer. Première pluie du monde. Hein. La pluie a commencé à tomber et la pluie continue à tomber. Elle continue à tomber sans s'arrêter. Ils commencent à rigoler, ça va s'arrêter. Monter. L'arche est fermée. Et il frappe l'arche, il frappe l'arche, il frappe l'arche, il frappe l'arche. Laisse-nous entrer. Mais il est trop tard. Quand Dieu appelle, il faut répondre. Parce que demain, peut-être qu'il sera trop tard. Quand Dieu appelle, il faut répondre. Car demain n'existe pas. Tu as déjà vu demain? Tu es déjà demain? Non, tu te souviens d'hier. Tu es aujourd'hui. Mais demain n'existe pas. Tu peux te dormir ce soir et ne pas te réveiller. Tu peux partir de ce lieu et malheureusement avoir un problème sur la route. On ne sait jamais. Et on le sait très bien, l'homme est faible. Si Dieu t'appelle, lui seul sait de quoi demain est fait pour toi. Ne dis pas demain, on verra. Demain n'existe pas. Donc, on nous met en garde. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, les hommes auront le même comportement. Prêche toujours, parle toujours. Tu m'intéresses. Nous avons nos Bibles ce soir. Allez, je vais voir les Bibles levées. Allez, on y va. Je vais voir les outils. Oui. Parce que je vous le dis, les versions ne sont pas affichées. Il faut qu'on regarde ensemble ce qui est écrit. Merci beaucoup. D'accord. Ouvrons nos Bibles ensemble. Qui seul connaît le jour et l'heure du retour de Jésus. Lisons ensemble Matthieu 24, verset 36, à la page 981 et 982. Alors, on va vérifier quelle est la vraie page. Matthieu 24, verset 36. Il est dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » En gros, si quelqu'un vient vous dire, « Jésus revient en 2025, telle date, telle heure », qui m'a dit où ça? On voudrait savoir quel jour Jésus revient. Pourquoi on voudrait savoir? Si on sait quel jour il revient, on fait plein de choses avant, d'accord? On vide notre compte en banque, on fait plein de choses, plein de folies. Et la veille de son retour, on dit bon, pardon à tout le monde, on se met en règle tout de suite, on s'endort sauvé. Mais est-ce qu'on est sincère dans la démarche? Voilà pourquoi Dieu ne révèle pas quel jour il vient. Sinon, il sait bien que tout le monde va vouloir se mettre en règle. Il veut sauver tout le monde, mais il veut surtout le cœur des hommes. Il veut nous sauver parce qu'on l'aura aimé, parce qu'on aura cru en lui. Pas parce qu'on veut éviter une mort particulière ou etc. Hein. Il veut qu'on vienne parce qu'on l'a rencontré. Il a dit, ni les anges, ni le Fils, le Père seul. Alors, encore une fois, faisons attention à ce qui est véhiculé autour de nous. Encore une fois, dans le monde chrétien, beaucoup de prophètes, appelés prophètes, beaucoup de gens qui ont des songes, qui ont des visions, se mettent à prophétiser, à annoncer des choses en disant que Dieu m'a dit. Parce que là, il est dit clairement que personne ne sait le jour et l'heure. Peut-être la période, peut-être par rapport aux signes qui sont donnés, la génération, mais on ne peut pas dire définitivement tel jour, telle heure, etc. Que fions à l'approche du retour de Jésus? Lisons ensemble Matthieu 6, verset 7, à la page 280. Juste à côté, hein? Matthieu 24, dis-moi, excusez-moi, verset 7 et 6 et 7. Matthieu 24, verset 6 et 7. À la page 980. Que feront les nations à l'approche du retour de Jésus? Il est dit, vous allez entendre parler de guerre. Et de bruit de guerre. Est-ce qu'on entend parler de guerre aujourd'hui? Ah, on est dans l'actualité même. La France se lève contre qui? La Chine derrière, regardez ce qui se passe. En gros, le monde entier, on entend parler de guerre et de bruit de guerre. On est dans l'actualité. Là, on est sous menace de bombes nucléaires. Là. On ne sait pas à quel moment ça a pété, mais on est sous menace de. On continue le verset 6 du moins. Il a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation,
et un royaume contre famine et tremblement de terre. Récemment même, je crois à Taïwan. Je sais pas si c'est Taïwan même. Il y a eu encore un problème récemment. Et il y en aura encore et encore et encore. Ces événements qui se multiplient de plus en plus, parce qu'avant ça arrivait aussi, hein, bien sûr. Mais on constate que c'est beaucoup plus fréquent. Beaucoup plus fréquent. Et il me semble qu'en Guadeloupe même, on est sous une faille particulière. Il a été dit que tous les, je crois, 150 ans ou 200 ans, combien? 50? Non, 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 tous les 300 ans ou 200 ans, il y a un grand tremblement de terre. Et apparemment, on n'est pas à l'abri. Heureusement, Jésus est vivant. C'est la vérité. Donc, notre espérance est au ciel. Mais on comprend bien que le monde a un petit souci. Maintenant, quel préparatif? Alors, même parce que... Non, alors, on va passer à cette question, parce que c'est une question qu'on va répondre tout à l'heure aussi. En quels termes sont décrites l'angoisse et la peur qui prévaudront alors chez les nations? Quand Jésus revient, comment le monde va se comporter? Dans Luc 21, versets 25 et 26, à la page 1053. À la page 1053. Luc 20. Il est dit que dans le jour de l'avènement du Christ, on l'a lu aussi hier, il est dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes grondant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Malheureusement, ce sont des catastrophes naturelles. Malheureusement, on nous parle de monde fragilisé, de monde bouleversé, de monde déséquilibré. Encore une fois, sans Bible. On va lire Jacques 5, versets 1 à 8, à la page 1233. Alors, encore une fois, hein, je prends le temps d'ouvrir la Bible avec vous pour vous montrer que ce qui est écrit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas mes paroles. Ce n'est pas moi qui vais prêcher d'une manière pour pouvoir dire des choses qui ne sont pas écrites. Ce qui est écrit, c'est ce que je prêche. Jacques 5, versets 1 à 8. Voilà ce qui est écrit. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné. » Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. En gros, qu'est-ce qui est dit? Pourquoi ce verset? La recherche de l'argent, qui court après l'argent, qui court après l'or. À la fin des temps, on se dit, mais tout cet or-là, tout cet argent-là sera détruit. Tout cet or, tout cet argent vont les corrompre. Et aujourd'hui plus qu'hier, quand on parle à un jeune, qu'est-ce qu'il te dit qu'il veut faire? Fais l'argent, on va sur la crypto, on va trader, on va chercher des moyens de faire de l'argent plus facilement parce que le monde aujourd'hui court après cela. Donc nous aussi, on veut courir après cela. Mais on court après cela pour pouvoir ce qui compte vraiment. Satan nous met devant les yeux des besoins matériels, court après l'argent, court après l'or pour malheureusement oublier l'important. Et ta vie alors? Jésus revient, tu as oublié? Tout le monde dit que le monde arrive à son terme, tu as oublié? Tu as oublié? Qu'est-ce qui compte vraiment? Quand tu auras tout cet argent, ok, aujourd'hui, pour qu'après demain, tu fasses quoi avec tout cela? Que tu sois perdu avec tout cela?
Le monde sera corrompu par, par l'argent dans les finances. Maintenant, qu'est-ce qu'affirme, disons, Thessaloniciens 5, verset 3, à la page 1202. Désolé, je pense que ça touche un peu, un petit souci. Alors, à la page 1202, Thessaloniciens 5, verset 3, il est aussi précédé la venue de Jésus. Voilà ce qui va se passer. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Le monde va se mettre debout pour dire « n'ayez pas peur, tout est sous contrôle ». C'est là qu'il faut avoir peur. Je vous donne un exemple simple, on l'a vécu en 2020. Beaucoup de personnes ont été dire « 2020, 20 sur 20 ». Ah, j'ai entendu ça, hein? Ah, c'est l'année du 20 sur 20, là. Ah oui, 20 sur 20. Les gens étaient motivés. Ah, 2020, c'est pour moi. C'est... 2020 nous a bousillés. Aïe. Le monde entier a été frappé par 2020 même. Quand le monde dit paix et sûreté, et on le dira encore, hein? Ils vont le dire encore. Ils vont le dire. On va dire, mais n'ayez pas peur, c'est bon, là. On n'a jamais été dans un temps de paix aussi fort que celui-ci. Il a dit, alors, une ruine soudaine va les surprendre. Une soudaine va les surprendre. Quels sont les signes évidents de la dégradation morale de l'humanité? De Timothée 3, versets 1 à 5. Donc, tous les humains qui sont là avant que Christ ne revienne, hein? D'accord? Comprenons bien. Alors, parce qu'on disait, fanfaron, montrer ce qu'on a, faire les beaux, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, donc menteurs, intempétinus, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. À la fin des temps, chers amis, aujourd'hui, papa, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui la fin des temps, c'est aujourd'hui qui est la fin des temps. Aujourd'hui, tout ce qui nous entoure témoigne. Le monde des finances, la moralité humaine, le comportement des hommes, la routine, tout nous montre que Jésus-Christ revient. Et vous savez, plus que Jésus se rapproche de notre monde, plus les choses iront de mal en pis. Si aujourd'hui on est choqué de ce qui se passe aujourd'hui, demain, on sera choqué plus encore. Hein? Les jours qui arrivent seront pires. Si tu espères la paix, si tu espères que tout ira bien demain, malheureusement, de te dire que la Bible... Oh! Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Si pour toi le monde est fou, dans une semaine, il sera encore plus fou. Alors, je me demande si tu ne veux pas prendre le micro. On n'est pas capable de déranger. On va avancer. D'après le prophète Daniel, qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin? Lisons ensemble Daniel 12, verset 4, à la page 893. Daniel 12, verset 4, à la page 893. Il est dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » En gros, aujourd'hui, chers amis, c'est le temps des lumières. Aujourd'hui, Dieu veut nous révéler ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, il veut qu'on prenne conscience que Christ revient vraiment. Attendez, je coupe le micro. Alors. C'est bon? Ah, voilà. Merci beaucoup. On va juste baisser un peu le son. Il est un peu trop fort. OK. Alors, donc, je disais qu'aujourd'hui, chers amis, nous devons étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, on doit chercher la vérité. Non pas suivre des hommes charismatiques ou des femmes charismatiques. Non pas suivre des religions, mais suivre Jésus, suivre la parole de Dieu. Parce que le jour vient où Jésus va venir.
Et quand il viendra, où seras-tu? Dans quelles conditions seras-tu? Personne ne veut mourir. Personne ne veut périr. Jésus, une menant à la mort et l'autre menant à la vie. Et il te dit, choisis, tu es libre de choisir, tu es grand, tu as le libre arbitre. Il dit, moi, je veux que tu choisisses la vie. Mais la vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est quelqu'un. Vous savez, je vais insister, parce que, encore une fois, Jésus revient, c'est sûr. J'ai été hostile à Jésus. J'ai été fâché contre Jésus. J'ai dit des bêtises à Jésus. Parce que je suis né dans un monde, je n'ai rien demandé, moi. Je suis né ici, je n'ai rien demandé. Et on me dit, bon, tu sais, il y a un conflit cosmique, hein? Il y a une guerre. Il y a Satan, il y a Jésus. Choisis Jésus. On dit, mais c'est qui ça? Je ne sais pas c'est qui, quoi. Je veux être libre, je veux choisir, je veux vivre ma vie. On me dit, non, désolé, tu dois faire un choix. C'est injuste, non? Ça a l'air injuste. Moi, je l'ai mal vécu. Et alors que je suis dans ce monde, je fuis Jésus. Je vais boire. Je vais me droguer. Je vais faire des choses abominables. Je vais foi, comme on dit, et ni loi. Et en vivant sans foi et ni loi, je fais du mal aux autres. Je mens. Je me cache. Je culpabilise. J'ai peur parce que je fais du mal et on veut me tuer aussi. En gros, je me retrouve dans une vie, soi-disant libre. Je suis enchaîné dans la pornographie. À pas arriver à sortir dans ça. Enchaîné dans des addictions, je dis, ah, j'arrête demain comme je veux. J'en arrive pas à arrêter. Je me retrouve esclave de ma soi-disant liberté. Je tombe, on ne peut pas me guérir. Je me rends compte que l'argent que j'ai ne peut pas me guérir. Bref, je me rends compte que la vie que je mène, me mène à la mort. Et je ne veux pas mourir. Et je me souviens qu'il y a Jésus. J'ai dit à Jésus, Seigneur, excuse-moi, si tu existes, je ne t'aime pas. Hein. Mais tu as la vie que je veux avoir, en vrai. Et là, Christ, dans sa grande bonté, il vient un soir où je suis proche de la mort, un soir où personne ne compte sur moi. Et là, il me dit, ouvre ta Bible. La Bible que je déchirais pour pouvoir fumer avec les pages, pour blasphémer, pour dire que c'est rien du tout, ça. Il me dit, prends la Bible et ouvre-la. Et quand je prends la Bible, je suis sur son lit. Un homme qui n'a pas d'espoir, moi, ce soir-là, qui crie à Dieu. Et Dieu qui lui répond, je t'ai entendu. Dieu qui lui dit, je veux te sauver. Dieu qui lui dit, je veux que tu me loues. Alors, et Dieu chasse ses ennemis. Et Dieu appelle la vie sur cet homme. Et l'homme se relève. Quand je lis ce verset, Dieu est avec moi et Dieu me dit, je te relève si tu veux. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je ne vais pas mourir, donc lève-moi. Il m'a levé. Mon Dieu, non, je n'ai même pas. J'ai dit, bon, j'ai fait un doigt de rêve. Et ma Bible est près de moi, il m'a dit, ce n'est pas un rêve. Suis-moi. J'ai dit, ah ouais. Si tu es vivant, je ne suis pas prêt à renoncer à tout ce que j'ai dans le monde. Parce que je ne te connais pas. C'est vrai. Tu me dis, laisse ça, laisse ça, laisse ça, mais je ne te connais pas. On m'a parlé de toi. On m'a prêché ton nom. Mais je ne te connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Si tu me connais, ce n'est pas une chose qui est intellectuelle. C'est-à-dire que tous les soirs, j'espérais en Dieu. En gros, Seigneur, si c'est vrai, si tu es vivant, si ce qui est écrit est la vérité, je m'attends à toi. Révèle-toi. Volonté, tu veux mon libre arbitre? Donne-moi. Révèle-toi à moi maintenant si tu veux. Je suis prêt. Pendant 3 semaines, la même prière. Seigneur mon Dieu, si tu es vivant, j'en ai eu des mots. J'en ai eu des prédications fortes. Tu reviens. Je n'arrive pas à prendre une décision parce que je ne te connais pas. Oui, j'entends cela. Oui, je vois le monde. Oui, le monde va mal. Oui, tout annonce que tu es à la porte. Mais je ne te connais toujours pas. Alors, j'ai pris le temps. Je me suis efforcé encore. Hein. J'ai fait encore l'effort. Tous les soirs à 19h, dans ma chambre, Bible, allumée OVM, et j'attends le Seigneur.
sans rien dire, Bible, LVM, j'attends le Seigneur. Parce que s'il est vivant, il veut juste que je fasse le pas de la foi. Mon pas de soir, j'ai dit, bon Seigneur, je suis fatigué d'attendre, hein, je pars. J'étais avec des amis, je joue au domino. Quand je suis en train de jouer au domino avec mes amis, l'Esprit de Dieu me dit, mais tu es où? Je suis là, tu n'es pas là, viens. Et il y a un combat dans ma conscience, je lutte dans ma conscience, pauvre. Pauvre, mais il y a les dominos là, les gars sont là, tu vois. J'étais dans ma tout seul là, comme un fou dans ma chambre, tout seul. Mais non Seigneur, je reste là. Il me dit, je suis là, viens. Alors j'ai dit au gars, bon les gars, on est, hein, on se verra après. Et je suis parti. Et je me suis assis, je dis, Seigneur, ce soir, parle-moi s'il te plaît. J'ai soif, j'ai faim. J'ai faim de toi. Je ne veux pas être là, je ne veux pas être perdu si tu n'existes, si tu existes vraiment. Je ne veux pas rater ma relation avec toi. Si toi, tu la veux, je suis là, alors viens. Et je me suis mis à pleurer parce que je sais que si Dieu ne se révèle pas à moi, je vais manquer quelque chose. Et je suis dans ma chambre agenouillée. Seigneur mon Dieu, révèle-toi à moi. Je ne vais pas m'expliquer ce qui s'est passé. Et là, je vous dis que ce n'est pas une chose intellectuelle. Tous les versets que j'avais lus auparavant, qui me parlaient de l'amour de Dieu pour moi, la croix, Christ s'humiliant, devenant un homme, Dieu devenant un homme, renonçant à sa vie pour que moi, je puisse avoir la vie. Pourquoi moi? Puis, tout ça, c'était pour moi. Et il m'a dit, je prends tout cela pour que toi, tu n'aies pas à subir cela. Il était séparé de son père pour que moi, je puisse pas être séparé, mais réconcilié. Il a souffert, il a pris tous mes péchés. Et mes péchés, et j'en ai des péchés. Je vois ce qu'il a pris sur lui, car je sais ce que je fais. Il a pris sur lui tout ça. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu es pardonné. Ce « je t'aime » a brisé en moi la rébellion. Ce « je t'aime » a brisé en moi la colère qu'il y avait. Ce « je t'aime » m'a bouleversé au point de dire, mais Seigneur mon Dieu, face à un si grand amour, comment je peux dire? Il m'a dit, si tu étais seul sur la terre, je serais venu quand même. Si tu m'aurais dit non, je serais venu quand même pour que tu saches à quel point tu es aimé. Parce que tu as du prix à mes yeux. En gros, comprends bien que ce soir, le prix de ta vie, c'est la vie de Dieu. Dieu a donné sa vie pour que toi, tu puisses continuer à vivre. Ne laisse rien te submerger, dominer. Ne laisse aucun travers avoir raison de toi. Tu étais créé pour la vie, créé pour vivre, créé pour aimer, créé pour être heureux. Et Daniel le dit, à la fin des temps, tu dois connaître la vérité. La connaissance augmentera. Tu dois savoir maintenant que Jésus vient et c'est la vérité. Christ, cet homme qui est mort sur le bois, c'était pour toi. Si tu es né aujourd'hui, c'est Dieu qui t'appelle à l'existence. Ah. Peu importe si tes parents te disent, ah, c'est un accident. Pour eux, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu a vu l'éternité. Et il n'a pas vu l'éternité sans toi. Il a vu là qu'à la fin, tu es avec lui. Alors voilà pourquoi tu es ici ce soir, parce qu'il t'appelle, parce qu'il revient bientôt. Il veut que tu saches qu'il revient bientôt. Les signes l'annoncent. Que diront alors les moqueurs aux yeux du retour du Christ? 2 Pierre 3, versets 3 et 4, à la page 1241. 1241. 2 Pierre 3, versets 3 et 4. 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Nos parents n'étaient pas encore nés, qu'on le disait déjà aussi. Alors pourquoi il viendra plus aujourd'hui qu'hier? Et certaines personnes viennent et se moquent de nous. Ah oui, Jésus revient, lol. J'ai peur. Mais c'est la vérité. Et s'il tarde à venir, s'il n'est pas encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu dises oui. C'est parce qu'il prend patience pour que tu ne puisses pas mourir. Parce qu'il sait que lorsqu'il reviendra, ceux qui n'ont pas dit oui à Jésus seront anéantis. Et son cœur saigne en pensant que tu ne seras pas avec lui. Alors il tarde et il dit, priez pour eux. Prêchez l'évangile. Annoncez.
Parce qu'avant que je revienne, ils doivent entendre la vérité. Avant que je revienne, ils doivent savoir à quel point ils sont aimés. Cherche la vérité. Ne t'arrête pas. Et justement, quelle action doit se développer dans le monde entier avant l'ordre de Christ? Ce que je vais l'annoncer, lisons Matthieu 24, verset 14, à la page 281. Matthieu 24, verset 14, à la page 281, pour ceux qui ont la même Bible que moi. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera, et ce n'est pas pour pouvoir, encore une fois, comprenez bien, hier on en a parlé, Christ vient, c'est une bienheureuse espérance. Ce n'est pas pour notre malheur. Si les hommes de ce monde vont fuir, vont courir parce qu'ils auront peur, nous qui avons cru en Jésus, nous resterons debout parce que Christ vient, non pas pour pouvoir nous punir, mais pour pouvoir nous emmener avec lui, pour enlever, pour éradiquer la vie. Et soyons fiers de cela. Il revient, pas pour que tu puisses avoir peur, mais que tu sois joyeux d'entendre ça. Quelle attitude alors devons-nous adopter à la vue de tous ces signes de la fin? Dans Luc 21, verset 28, à la page 1053, à la page 1053, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que devons-nous faire? Luc 21, verset 28. Il est dit, quand ces choses vont arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand Christ revient, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Et j'aime raconter cette histoire encore, celle du larron sur la croix. Quand Jésus-Christ est cloué, la mort l'attend. Il y a deux hommes avec lui, un à sa gauche et un à sa droite. Il y a un qui se moque de lui. Tu es là, tu es comme nous. Nous, on est des criminels, nous, on tue, nous, on ment, nous, on vole, nous, on viole. On fait le mal par excellence, on sait pourquoi on est là. Et il y a un parmi les deux qui dit, mais hé, tais-toi là. C'est vraiment le Fils de Dieu. Et cet homme qui est coupable, cet homme qui est dans ce monde, ouvrir la porte du salut. Ce soir, je te le redis encore une fois, Jésus revient. Quand il reviendra, deux catégories de personnes. Celles qui vont courir pour fuir, et celles qui vont rester pour dire, Seigneur, merci, récompense ma foi. Croire, c'est mettre en place de l'action. Croire, c'est dire, je crois, j'ai confiance, donc j'agis. Alors, si tu crois en Jésus, lève-toi pour Jésus. Si tu crois en Jésus, dis, Jésus, je t'aime. Mais ne dis pas, je crois en Jésus et tu fais ta vie comme si de rien n'était. Comment pourrons-nous affronter avec assurance ce grand jour? Ce jour qui arrive, donc juste à côté, au verset 36 de Luc 21. Il est dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. » Chers amis, ce soir, Dieu vous invite à l'action. Tu as entendu la parole, tu as vu les signes, tu en es témoin. Il n'y a pas de forfait, il n'y a pas d'abonnement à payer. Christ a tout payé à la croix. Ta seule part, c'est de dire, Seigneur mon Dieu, bon, ben on nous parlait. Hein. Dieu a un bras pour agir. Dieu t'a créé à son image. Alors si toi, tu as des oreilles, si tu as une bouche, Dieu en a plus que ça. Tu peux être sûr que quand tu vas t'adresser à lui, en Jésus, par Jésus, dans le meilleur des moments. Pour finir, je vais raconter cette histoire. Je l'ai entendue à la radio. C'est historique. Hein? C'est la catastrophe de mai 1902. Je fais la lecture, ça sera plus parlant. Alors, qui n'a jamais entendu parler de la catastrophe de Saint-Pierre de la Martinique? Survenue alors le 8 mai, a fait 40 000 victimes en moins d'une minute. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est que ce cataclysme avait été précédé de toute une série de signes susceptibles d'alerter les habitants. À l'étonnement des cultivateurs, dès la mi-avril, les serpents ont déserté
la montagne Pelée, où devait avoir lieu la fille de même. On nous aille, on sort de là. Et tout le monde voit ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, mais qu'est-ce qui arrive aux oiseaux? Ils voient que ce n'est pas normal. Le 15 avril, un étrange fumé ayant fait son apparition près des cimes. Et un professeur de lycée est monté pour examiner le phénomène. À son retour, il devait alors rassurer la population pour dire, n'ayez pas peur, ce n'est rien. Il n'y a rien à craindre. La fumée, pour, en gros, la fumée là, c'est pas grave. Calmez-vous. Alors il redescend et il annonce ça à la foule. Vers la même époque, des marins même ont noté, par temps clair, la présence de lames de fond à proximité des côtes, tandis que l'eau de la mer était anormalement chaude. Ils l'ont annoncé, mais t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive. Le 23 avril, un navire câblier a rapporté qu'un affaissement de terrain sous-marin à 13 km de Saint-Pierre provoquait alors la rupture du câble transatlantique. C'est pas grave, ça arrive. Dans la soirée du 25 avril, le panache de fumée qui avait persisté au sommet du Mont Pelée tournait maintenant au noir. Et une pluie de cendres s'abattait bientôt sur la ville au milieu de grondements de tonnerre. Dans la nuit du 28, une lueur rougeâtre s'élevant à plus de 3000 mètres apparut à la cime de la montagne. C'est alors que, sur ordre du gouverneur, une expédition vulcanologique se rendit sur l'endroit névralgique. Et le rapport du chef d'expédition fut tout aussi apaisant. N'ayez pas peur, ce n'est rien. Quand la population a entendu cela, certains ont dit, mais non, il y avait des achats, il y avait des mariages, il y avait des fêtes, il y avait des anniversaires. Ce n'est pas le moment de tout abandonner, on a déjà payé. Et arrive le jour. De New York, pour pouvoir faire un concert, l'équipage du bateau put assister à un spectacle hallucinant. À 7h51, jaillit soudain de la fissure béante. Et ce feu s'étendit sur toute la ville, sur 8 kilomètres. Les gens n'ont pas eu le temps de dire « aïe ». Et 40 000 personnes ont été mises, malheureusement brûlées, sont décédées ce jour-là. Pourquoi cette histoire? Il y avait des signes annonciateurs. Il y avait des signes qui annonçaient que cet événement allait se produire. Là, il y a des signes annonciateurs. On l'a lu, on l'a entendu, on le voit, on le vit. Préparons-nous, Jésus revient. Ne faisons pas comme ceux qui disent, mais on l'a dit hier, on l'a dit avant-hier. Mais justement, si on le dit aujourd'hui, c'est que c'est plus proche qu'hier et avant-hier. Si nos parents le disaient déjà, aujourd'hui c'est encore plus proche qu'il y a 100 ans. Encore une fois, simplement, cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Il est vivant. Là, je vous enseigne, je vous prêche le Christ. Je vous partage les témoignages. Ceux qui vous ont invités aussi vous témoignent certainement de leur foi, de l'amour qu'ils ont pour Jésus, ce que Jésus a fait dans leur vie. Mais encore une fois, c'est une expérience qui est personnelle. Tu dois être convaincu de la vérité. Et Jésus est à la porte, il t'attend. Il est là, ce soir, il est présent. Ce soir, tu as un ange qui a été délégué pour te révéler la vérité. Mais il te dit, fais ta part, lève-toi. Si tu veux te préparer pour ce grand jour qui arrive, lève-toi. Et je ferai cette prière pour demander à Dieu, avec tous ceux qui sont présents, Seigneur, s'il te plaît, vois notre foi, lever ce soir. Parce qu'on a besoin que tu viennes toi-même nous préparer. Père, on a besoin que toi-même tu viennes te révéler à nous quand tu es vivant, tu l'as dit. Ce soir, si tu es convaincu, si tu sais, s'il y a en toi un besoin de rencontrer Jésus-Christ, alors lève-toi. Ah. Car Jésus-Christ veut se révéler à toi. Ma parole est faible. Mon témoignage est faible. Mais Dieu, lui, n'est pas faible. Celui que je vais invoquer ce soir, il est tout puissant.
Celui que je vais invoquer pour toi ce soir, c'est celui qui sauve les perdus. Alors, si tu sais que tu es perdu ce soir, si tu sais que tu as besoin d'être sauvé, alors lève-toi, sois courageux. Sois courageux pour Jésus, pour ta vie. Un geste simple, mais un geste qui va déterminer que Dieu va mettre son bras dans ta vie. Mon ami, personne ne te regarde, toi. Je vais prier le Seigneur pour tous ceux qui veulent se lever. Non, mais je sais que c'est ça qui fait peur. C'est pour se lever, pour dire à Jésus, j'ai entendu Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas quand tu vas faire, mais j'ai besoin que tu te révèles à moi aussi. Fais ton pas, fais le pas. Fais ce pas vers Dieu. Amen. Fais ce pas vers Dieu et Dieu fera le reste des pas vers toi. Je me dois d'insister parce que je sais que quand j'étais assis aussi, je voulais me lever, mais j'hésitais à me lever. Et quand l'appel a été fini, j'ai dit, mais alors, j'aurais dû me lever. Alors, je te le redis, si tu veux que Dieu se révèle à toi ce soir, si tu veux qu'il te... Il ira chez toi, il parlera avec toi, il fera le travail qu'il doit faire. Amen. Jean-Baptiste, Adventquist, nous attendons le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et il nous a dit d'annoncer son retour. Il nous a dit de prêcher son retour pour que ceux qui ne savent pas qu'il arrive le sachent aujourd'hui et prennent une décision. Je vais prier de suite. Pour, alors, tout le monde peut se lever, hein, si vous voulez bien. On va prier le Seigneur pour que Dieu bénisse ceux qui ont fait ces gestes de foi et que Dieu donne de la force à ceux qui le voudront, voudront le faire demain, si demain existe pour eux. Prions. Notre Dieu, en ce soir, tu m'as donné de parler dans ma faiblesse, mais mon Dieu, c'est la vérité qui a été présentée. Seigneur mon Dieu, je sais le chemin de la vie. Donne de la force, mon Dieu, à ceux qui veulent persévérer avec toi. Seigneur mon Dieu, Jésus revient. Tu connais la date, tu connais le jour et l'heure. Tu nous as dit, ciel, doit regarder, mon Dieu, les signes de ce monde, car tout annonce que Jésus-Christ est à la porte. Tu uses de patience, tu patientes pour que nous puissions, mon Dieu, changer de voie, pour remplir les cœurs. Et qu'il n'y ait plus de choix, mon Dieu, que de dire oui à Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, certains veulent te rencontrer. Révèle-toi à eux. Tu es vivant, Seigneur. Tu demandes, tu frappes à la porte des cœurs. Tu leur dis, si quelqu'un entend, s'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Père, ce soir, nous nous sommes levés par la foi. Rentre chez nous. Viens, mon Dieu, et parle-nous. Viens, mon Dieu, et sauve-nous. Seigneur, ouvre-lui. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous allez découvrir ça demain. Que Dieu vous bénisse. Pour donner-moi Jésus, le Sauveur.
Bonne soirée à tous.